أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، بإذن الله عز وجل كل يوم خميس نحن في صدد شرح أركان الإسلام، وبدأنا بشرح الركن الأول من أركان الإسلام. فالركن الأول من أركان الإسلام هو أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فتكلمنا عن الشهادة الأولى، لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ فقلنا أن العلماء رحمهم الله، علماء الإسلام، درسوا القرآن وتتبعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذه الكلمة لها شروط، هذه الكلمة لا إله إلا الله لها شروط متعلقة بها. فالمسلم الذي يريد أن يتبع لا إله إلا الله ويستفيد منها في الدنيا وفي الآخرة، لا بد أن يعرف شروطها وأن يطبق شروطها. وجمعوا 7 شروط للا إله إلا الله، نظمها أحد العلماء بقوله: وبشروط 7 قد قيدت، وفي نصوص الشرع حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بنطق إلا حين يستكملها: العلم، واليقين، والإخلاص، والقبول، فادر ما أقول، والصدق، والانقياد، والمحبة، وفقك الله لما أحبه. شروط لا إله إلا الله: العلم، واليقين، والإخلاص، والقبول، والمحبة، والانقياد، والصدق. هذه تسمى شروط لا إله إلا الله. الحمد لله، الخميس الماضي أنهينا الشرط 7، ألا وهو القبول. اليوم بإذن الله سنبدأ بشرح النصف الثاني من الشهادتان. النصف الثاني هو أشهد أن محمدا رسول الله. هذه الشهادة الثانية أيضا لها أمور تتعلق بها، تسمى مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ ما معنى هذه الشهادة؟ أنت تشهد على ماذا؟ أنت تشهد أن محمد رسول الله. فهل الشهادة باللسان تكفي؟ لا تكفي. فلذلك يقول العلماء رحمهم الله لما تكلموا عن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذه شهادة عظيمة. مثلا إذا جاء غير مسلمين وأراد أن يدخل في الإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله، هل يدخل في الإسلام؟ فلذلك لا بد أن يشهد الشهادة الثانية. إن شاء الله chaque jeudi on parle sur les piliers de l'islam. Et exactement, on a commencé d'expliquer le premier pilier de l'islam. Le premier pilier de l'islam, c'est quoi? C'est les 2 attestations. J'atteste qu'il y a aucun dieu que Allah, et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quand on a parlé sur la première attestation, la ilaha illallah, les savants, ils ont dit cette attestation, si le musulman, il veut profiter de cette attestation, et cette attestation, ça sera utile pour lui dans ce bas monde et au-delà, il doit pratiquer les conditions de la ilaha illallah. Alors les savants, ils ont rassemblé 7 conditions de la ilaha illallah. La première condition, c'est la science. La science, tu dois connaître la vraie signification de la ilaha illallah. La deuxième condition, c'est la certitude. Tu es sûr et certain que le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah. Tu n'as pas de doute dans ton cœur. Troisième condition,
c'est la sincérité, al-ikhlas. La quatrième condition, c'est la véracité, as-sidq. La cinquième condition, c'est l'amour, l'amour d'Allah et l'amour de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'amour de la religion d'Allah azza wa jalla. Sixième condition, c'est l'obéissance totale aux ordres d'Allah et aux ordres du prophète, ou bien la soumission totale aux ordres d'Allah et aux ordres de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la dernière condition, c'est le qaboul, tu dois accepter toutes les informations qui viennent d'Allah et qui viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu dois accepter la loi d'Allah et la loi de son prophète. Tu dois accepter le jugement d'Allah et le jugement de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, inshallah, on va parler sur la deuxième attestation. La deuxième attestation, c'est quoi? J'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Est-ce que cette attestation, si le musulman, il dit « Ashhadu anna Muhammad Rasulullah », c'est bon, il va profiter de cette attestation? Non. Cette attestation aussi, il contient des choses. Il contient des actes. Le musulman, il doit les connaître et il doit les pratiquer dans sa vie. Je vais vous poser une question. Par exemple, un non-musulman, il veut se convertir à l'islam, il veut embrasser l'islam. Il rentre à la mosquée et il dit « Ashhadu an la ilaha illallah ». Est-ce que ça suffit pour lui pour embrasser l'islam? Non. Il vient, il dit « Ashhadu », un non-musulman. Il veut se convertir, il veut embrasser l'islam. Il va arriver, il va nous dire « Ashhadu an la ilaha illallah ». Moi, j'atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite d'être adoré, c'est Allah. Mais j'atteste pas que Mohammed est le messager d'Allah. Est-ce qu'il a embrassé l'islam comme ça ou pas? « Hal dakhala fil islam » ou non? La yadkhulu fil islam. Il ne peut pas. La ilaha illallah, il est attaché avec Muhammad Rasulullah. Tu ne peux pas les séparer. C'est comme une clé, c'est comme une clé où il y a des dents. Tu ne peux pas, si tu enlèves, tu casses une dent, la clé, il ne peut pas t'ouvrir la porte. Il rentre, mais il n'ouvre pas la porte. Kadalik, le musulman, là pour vous montrer l'importance de la deuxième attestation. Ça veut dire, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, sa valeur, c'est la même valeur de la ilaha illallah. C'est pareil. Ils sont collés, liés. Tu ne peux pas les séparer. La tastati'u an tufarriqa bayna la ilaha illallah wa bayna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hatta fil adam, même dans l'adam. Dans l'adam. Qu'est-ce qu'il dit le mu'addil? Ashhadu an la ilaha illallah, et après? Tu ne peux pas les séparer. C'est un mu'addin. Il fait l'adam. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Hayya ala salat, hayya ala al-falah. Son adam, il n'est pas, pas complet. Il n'est pas complet, il ne passe pas. Il doit, s'il a fait ça exprès, il doit refaire l'adam. La budda an yu'ida l'adam. Fi iqamat salat kadalik. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة قد قامت الصلاة. Est-ce qu'il peut dire ça? S'il dit ça, il saute. Il veut négliger. أشهد أن محمد رسول الله إقامته لا تجوز تسقط. فكذلك شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي شهادة عظيمة. Avant de parler sur les conditions de cette deuxième attestation, moi j'aimerais bien parler sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Uridu an limada? Li anna alladhi yashhad anna Muhammad rasul. Toi tu vas témoigner, tu témoignes, tu attestes que Muhammad est le messager d'Allah. Et toi tu ne connais pas Muhammad. Alors tu témoignes sur quoi là? Est-ce que tu peux témoigner sur quelqu'un que tu ne connais pas? Hein? Min shurut ash-shahada an takuna qad ra'ayta aw sami't. Hein? Tu dois, pour témoigner que telle personne a fait ça, tu dois voir ou bien écouter, tu as écouté sa voix, ou bien tu l'as vu. Kadalik le muslim, toi, tu attestes, tashhadu anna Muhammad, ou anta la ta'rifuh. Toi, tu ne le connais pas. Falidalik ahbabtu, avant de parler sur les conditions de ashhadu anna Muhammad Rasulullah, on va, inshallah, azza wa jal, parler d'un hadith qui va nous donner
l'apparence du prophète. Ce hadith-là, il parle sur quoi? Sur l'apparence physique et le comportement du prophète. Tu dois avoir une image dans ton cerveau, dans ton cœur, sur cet homme-là. Ce messager, tu dois avoir une image. Qui d'ailleurs, il était grand, il était petit, il était gros, il était maigre, il était noir, il était blanc, il avait la barbe, il n'avait pas de barbe. Ses yeux, comment ils étaient, la couleur de ses yeux, comment il marche, comment il mange. Tu dois le connaître, la Bouddha An, ta'arifahu, qabla An, l'imada. Parce que quand tu connais la personne, tu vas connaître sa valeur. Alors, ida qult ana ashhad, ma ma'na ashhad. Tu témoignes, c'est un témoignage, c'est une attestation. Ashhadu anna, je témoigne, j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Indana nahnu hadith sahih, anna l'insana ida mata, wa wudi'a fi qadrih, ja'ahu malakan, fa'aq'adanihi wa yaqulani lah, man rabbuk, ma dinuk, man irrajulu ladhi bu'ida fikum. L'être humain, chaque être humain, musulman ou non musulman, quand il se met dans sa tombe, il sera interrogé, il sera questionné, trois questions. Deux anges, ils vont le voir, ils vont venir, ils vont lui dire, écoute, c'est qui ton Seigneur? Il doit répondre. C'est quoi ta religion? Et la troisième, c'est qui l'homme qui était envoyé pour vous comme prophète? Et des savants, ils ont expliqué, quand il va te poser la troisième question, c'est qui l'homme qui était envoyé pour toi comme prophète, ils vont te montrer son image. Tu vas voir son apparence. Tu vas voir l'image du prophète. Imagine-toi, tu le vois, tu dis, je ne le connais pas. Moi, je ne connais pas cet homme-là. فَلِذَلِكَ الْعُلَمَا قَالُوا هَذِهِ الشَّهَادَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ تَدْفَعُ بِالْمُسْلِمِ أن يتعرف على هذا النبي العظيم. Tu dois connaître cet homme et هذا الرسول. Alors j'ai ramené un hadith, et c'est le meilleur hadith, c'est le meilleur hadith qui nous a décrit l'apparence du prophète. Ce hadith-là, rapporté par l'imam Tirmidhi dans un livre qui s'appelle Shama'il al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est un long hadith. On va, inshallah, rester à peu près jusqu'à 4 ou 5 séances pour finir. Mais on va vraiment détailler l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, tu as une image devant toi, tu as cet homme, son comportement, son image. Alors après, quand on va parler sur Muqtadayat, sur les conditions, tu dois croire en lui, c'est bon, c'est facile. La foi, il rentre à 100% dans ton cœur. Ça ta'arifu qimata hada al-rajul al-azim. Falidalik, les commerçants, il y a des commerçants avec nous. Un commerçant, avant qu'il achète, qu'il s'engage à acheter une marchandise, il doit connaître sa valeur. Il doit connaître sa valeur, la qualité, ses origines, il vient d'où. Il doit savoir les clients, est-ce qu'ils aiment acheter cette marchandise ou pas. Il y a comme dirasat al-jidwa. On s'appelle ça en arabe dirasat al-jidwa. Même on a dirasat al-jidwa. Il doit, est-ce que cette marchandise, ça va vite dans cette période? Est-ce que les clients demandent ça? Par exemple, là maintenant, il fait froid. C'est rare les gens, maintenant, qui consomment les boissons. Les boissons, c'est la consommation des boissons. La glace. Voilà, on a la glace, maintenant. Voilà, Kim. Par exemple, ils consomment maintenant, ils consomment beaucoup, par exemple, de viande, beaucoup de poisson. Validalik, chaque commerçant, il fait avec le bilan, il fait avec l'analyse, il fait de la recherche. La qualité, c'est à ça, ça. Après, ils s'engagent à acheter. Kadalik, toi maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va décrire le professeur sallam, son apparence physique et son comportement, inshallah azza wa jal. On va l'aimer et on va croire en lui. Alors, l'imam al-Tirmidhi, wa al-Tabarani fi al-Mu'jam an al-Hasan ibn Ali, radiyallahu anhuma, qal, sa'altu khali Hind ibn Abi Halah, wa kana rajulan wassafa.
عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم. Le hadith maintenant qui parle Al-Hassan ibn Ali, le petit-fils du professeur Salam. Il est parti interroger son oncle. Son oncle, comment il s'appelle? Hind ibn Abi Halash. Hind, c'est un homme qui s'appelle Hind. C'est le fils de Khadija radiallahu anha. Mais du premier mari. Khadija, il était déjà marié avant le professeur Salam. Il était marié avec un homme qui s'appelle Abu Hala. Avec Abu Hala, Allah lui a donné un enfant qui s'appelle Hind. Et après, il s'est marié avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a eu des enfants avec elle. Il a eu Fatima, Zainab, Ruqayya, Umm Kulthoum, Abdullah ou Al-Qasim. Alors, Hind, c'est ses frères et sœurs par le côté de leur maman. Hada akhuhum min ummihim. Idan al-Hassan, c'est le fils de Fatima. Hind, pour lui, c'est qui? C'est son oncle. Alors, au Hind, il a passé son enfance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est marié avec Khadija, Hind, il était là, à la maison de Khadija. Il a grandi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Falidalik al-Hassan, le Hind, il est plus âgé que le Hassan. Alors, Hassan, il est parti voir Hind, Gallo, oh mon oncle, est-ce que tu peux me décrire l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que le Hassan, quand il avait l'âge de 6 ans, son grand-père est décédé. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne se rappelle pas trop sur l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un peu de temps, mais c'est un peu de temps. Donc, il dit, « Et il y a un homme ما معنى وصف؟ يعني رجل يتقن وصف. إذا وصف لك شخص أو إنسان يصفه لك بدقة. vraiment c'était quelqu'un. sa spécialité c'est quoi? quand il veut te décrire une personne, il va le décrire par détail. il va louper rien. vraiment il avait une mémoire. c'était sa spécialité comme ça. quand il chinasse, il te voit une fois dans sa vie. Il va te dire, je t'ai vu, il t'a porté telle camis, t'avais ça, même ta barbe, il était comme ça, tes cheveux, ils étaient comme ça, il t'a porté les clés, t'avais une signe. يعني لا يدع صغيرة ولا كبيرة. وهند رضي الله عنه كان رجلا وصافا. هو الآن حسن يقول له وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. الحسن قال أنا قلت لخالي صف لي رسول الله في خلقه وفي خلقه لعلي أتعلق بشيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. pourquoi الحسن il est parti voir son oncle? il dit donne-moi, montre-moi, indique-moi, décris-moi l'apparence du prophète et le comportement du prophète pour que j'essaye de m'attacher et de suivre le comportement du prophète. Alors nous aussi, on va faire pareil. On va parler sur son comportement et on va essayer de s'attacher et de pratiquer un peu du comportement du prophète. Hawa yaqul, faqal. Là, il va commencer à décrire le prophète. Qal, kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fakhman mufakhama. Fakhman mufakhama. Ma ma'na fakhman? قال العلماء فخم عند الله مفخما عند الناس فخم il a une grande valeur auprès d'Allah et il a une grande valeur auprès des gens شيء فخم ونقول مثلا هذا منزل فخم او سيارة فخمة une voiture de confort une voiture نقول لها charmante ياك هاك نقولوا الفخامة. pour l'être humain. pour l'être humain. ou l'angulo une voiture excellente. voilà de luxe. une voiture de luxe. فالفخامة هو الشيء الذي له قيمة كبيرة. alors يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. il avait une grande valeur auprès d'Allah et il avait une grande valeur auprès des croyants auprès de ses compagnons. يقول اسمعوا يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر الله أكبر
Là, il commence à décrire son visage. Son visage, comment il est? يَتَلَأْلَأُ تَلَأْلُأَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. Vous voyez la lune quand elle est complète. Hein? Il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de... Il fait nuit, il fait beau. Hein? La pleine lune. Oh, la pleine lune. La lumière, il dégage des rayons de lumière. Alors il a dit le visage du prophète, il dégage des rayons de lumière comme la lune quand il est en pleine lune. Subhanallah. Wajhu, bel akthar min dalik. Yaqulu sahabiyun jalil, nasitu ismaha, compagnon qad, kharajtu data yawmin fi laylatin muqmirah. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى القمر ثم أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنظر إلى القمر وأقارن بينهما فوالله لوجه النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من القمر وأجمل في عيني من القمر صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم un compagnon il est sorti dans la nuit. Et il regarde le visage du prophète, il était en train de regarder la lune. Il regarde la lune, il regarde le visage du prophète. Il regarde, il fait une comparaison. À la fin, il dit, Wallah, le visage de Nabi sallam, il était plus lumineux que la lune. Subhanallah. Hada wajhu nabi sallam. Hawa yaqul, Hind ibn Abi Hala, yatala'la'u tala'lu'a al-qamari laylat al-badr. أطول من المربوع وأقصر من المشذب. لا يفنمتخيل ندخيل ساتاي. أطول من المربوع. الرجل المربوع هو الرجل الذي بين الطول والقصر. ليس بالقصير وليس بالطويل. إنسان المربوع هو الذي ليس قصير لا تقتحمه عين من قصر ولا تشنأه عين من طول. هو ليس بالطويل كالعشنق. Alors il commence à décrire sa taille. Yaqul, voilà, Yaqul, il était plus grand que l'homme trapu et moins grand que l'homme long. Il n'était pas trop long, il n'était pas trop. ولكن كان أقرب إلى الطول. هو c'est pas trop long ولكن أقرب إلى الطول. وهنا س je vais faire une parenthèse. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى مع أحد إلا طاوله. لا يمشي بجنبه أحد إلا وترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أطول منه. ولو كان فيه مثل قوم عاد. لا هذه من خصائص النبي. Nabi sallam il a des choses spéciales pour lui. Nabi sallam il n'était pas trop grand. Walakin quand il marche avec quelqu'un, même si ce monsieur il est plus grand que lui, quand il marche devant lui, tu vois que le prophète est plus grand que lui. Hadihi khassiyya min khassa'is an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Falidhalik le jour de la résurrection, yawm al-qiyamah, yawm al-hashr, il y aura beaucoup de monde. Comment on va voir le prophète sallam? C'est le plus grand. هو الذي تراه هو أطول واحد يوم القيامة هو النبي صلى الله عليه وسلم فتراه فأمته تراه على الحوض donc devant sa rivière le Kawthar on va le voir de loin تراه لماذا لأنه لا يوجد أحد أطول منه par exemple lui il mesure 1m80 ou bien 85 yak et il est devant lui on va mettre devant lui quelqu'un qui mesure 2 mètres. Quand il marche devant le prophète, tu vois que le prophète est le plus grand que lui. Hadihi min khasa'isi, c'est un miracle parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yaqul atwal min al-marbu'i wa aqsar min al-mushaddab. Limada quelqu'un qui a une grande taille, واحد اللي طويل بزاف, طويل طويل طويل, هذا c'est un défaut. هذا عيب فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان فيه صفات الكمال والجمال. والنبي صلى الله عليه وسلم c'était un être humain parfait. Tu peux pas trouver un défaut dans sa création physique. Tu peux pas trouver un défaut.
يقول عظيم الهامة. الهامة هي الرأس. الهامة هي il avait une grande grosse tête. Sa tête elle était grosse. Pourquoi? Parce que quelqu'un grande de taille et ses épaules elles sont larges et sa tête elle est petite. C'est un défaut, c'est pas un défaut. هذا عيب ولا ليس بعيب؟ لا كان رأسه متناسقا مع جسمه. Sa tête, il convient son corps. C'était pas trop grande ni trop petite. Sa tête, elle était parfaite. يعني رأسه فوق بدنه في تناسق تام كامل. La tête dans son corps, au milieu de son corps, vraiment, c'est quelque chose qui est parfait. Il y a pas de, tu peux pas trouver non, il y a non. في الوسط في وسط جسدي. Perfect harmony. نعم, perfect harmony. Voilà. هكذا كيما دوك النحات هذوك اللي كيديسين لي ستاتوي شتي يحاول يغامن لو كو يغامن. فراس النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان عظيم الهامه, راسه كبير ولكن ليس معيب. رجل الشعر, رجل الشعر, ما معنى رجل الشعر؟ رجل الشعر شعره, رجل يعني كان شعره ناعما متجعدا في أسفله ومقوس فيه تموجات. شعره رطب لس, سي شوفيز ايتي لس مي اوندولي بوكلي اونكولي 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 بوكلي اونكولي فوالا بوكلي بوكلي فوالا في في يا دي بوكلي. فاحنا كي نقولوا لها vous savez comment ils disent les femmes par rapport à ses cheveux. Et ils disent لهم يا رب العالمين, j'ai oublié. Les anglaises. Voilà, les anglaises, voilà. C'est ça. Alors, ses cheveux, ils étaient lisses, top, na'im, mais, هنا, فيه تموجات. فهذا هو أفضل شعر. Le meilleur des cheveux, c'est des cheveux comme ça. Parce que si ses cheveux, ils étaient lisses seulement, أخذ من النعومة فقط. أيضا هنالك بعض الناس شعره أجعد. ما معنى أجعد؟ شعره حرش, شعره إلي بوكلي كريبي. Voilà. Alors النبي صلى الله عليه وسلم ses cheveux ils ont les deux. Il a mélangé entre les deux la beauté d'un cheveu lisse et aussi هذوك التموجات في أسفل شعره. سبحان الله, سبحان من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maintenant il y a des femmes qui payent de l'argent pour faire ce décor dans ses cheveux. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا. فلذلك عيسى عليه السلام شعره رجل فقط, شعره ناعم لس seulement. C'est beau, lisse c'est beau. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم lisse il était fort. لأن الجعودة في الشعر تعطيه قوة والنعومة تعطيه جمال. Les cheveux lisses, ça donne une beauté. Mais هذوك les cheveux, كي يقولوا لهم قلت لهم أجعل Bouclé. La boucle, déjà, c'est crépus. Voilà, crépus. Les cheveux crépus, ils sont forts, durs un peu. Et les cheveux lisses, ils sont beaux. Alors imagine, tu vas mélanger entre les deux. Et qui a mélangé entre les deux, c'est Allah Azza wa Jal. C'était de sa nature. فَلِذَلِكْ يَقُولُ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِلًا أَشْعَرِ. Voilà, il va nous montrer comment il coiffe ses cheveux. إِنْ فَرَقَتْ عَقِيصَتُهُ فَرَقْ وَإِلَّا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه. Quand ses cheveux, هنايا العقيسة, العقيسة هي le milieu de la tête. La rue, voilà. هنايا quand il y a beaucoup de cheveux, qu'est-ce qu'il fait? يفرق. Il coiffe comme ça ce côté droit, et il fait descendre les cheveux là, et il coiffe les autres là, jusqu'aux ses oreilles. يفرق. أظهر اللون. أظهر اللون. لا يلمنت لا كولور دو سون فيزاج دو سا بو. أظهر, ما معنى أظهر؟ روز فلوري. ها؟ الأزهر هو الأبيض المشرب بحمرة. الأبيض المشرب بحمرة. لو بلون مي ميلونجي افيك لو روج. كون تي ميلونج لو بلون افيك لو روج. سادون دي روز. ها؟ روز. سادون دي روز. سادون دي روز. Alors imaginez un homme
avec cette couleur dans le désert, vous pouvez le trouver? Non. Hein? Mecca, Mecca, les gens de Mecca, les Arabes, vous trouvez quelqu'un comme ça? Même s'il est rose, il va se bronzer. Avec la chaleur, il va se bronzer, sa beauté, il va disparaître. C'est vrai ou pas? Azharul Laoun ou à la Mecque. 40 degrés, jour et nuit, matin et soir, été et hiver. C'est passé contre. Hein? C'est passé contre. Et là, il est en train de décrire le professeur. C'est même quoi, il était âgé. Azharul Laoun. Et on va parler encore sur la douceur de sa peau. Et vous ne pouvez pas vous dire c'est incroyable, on va dire c'est incroyable, parce que c'est quelqu'un qui vit dans le désert, dans les montagnes. Normalement, la peau, sa peau, ses mains, ils sont durs. Non, mais il travaille. Yaqul Azharu al-Lawn. Wa hada huwa al-Lawn al-Jamil. Al-Jamal, al-Lawn al-Jamil, huwa l'insan ladhi yakunu abyad wa mushrab bi humra rose. Tu trouves ses joues là, ils sont roses, et sa couleur, il est blanc. C'est pas blanc, avec le blanc blanc. يقولون الأهمق هذاك ولا عاوتاني بعض العلماء يقولون الأزهر هو الأسمر الأزهر هو الأسمر مات دوبو بعض العلماء يقولون ولكن الراجح أنه أزهر وجهه أحمر لأنه يتلألأ تلألؤ القمر أزهر اللون واسع الجبين الجبين هو لو فرون سون فرون il était pas il était large عنده لو فرون ديالو لارش الجبهه ديالو لارش يقول لك الجبهه ديالو تربح ياك شحال من واحد كون فوا لو انا ان اكزومبل اون دي سا اون عرب كون تي تو رونكونتر افيك كالكان سون فيزاج اي بو سون فرون كان سوريون يقول لك الحمد لله سي الى جي جي رونكونتري كالكان الحمد لله سون فرون سون فيزاج il زعما il donne l'espoir son visage il donne l'espoir il procure la joie dans le cœur يقول لك الجبين ديالو الجبهه ديالو تربح رجع دي جبهته مربوحة النبي صلى الله عليه وسلم كان عريضة الجبين son front était large واسع الجبين أزج الحواجب أزج الحواجب سوابغ في غير قرن ما معنى أزج الحواجب là il est en train de parler sur ses sourcils أزج ما معنى أزج كثيرة الشعر مع تقوس فوق العين الأزج هو الحاجب الكثيف الشعر كثيف الشعر المقوس فوق العين أزج ça veut dire dans ses sourcils il y avait beaucoup de cheveux noirs et vraiment ils étaient placés comme un demi-cercle sur son visage maintenant des femmes ils payent de l'argent pour tracer leurs sourcils C'est vrai ou pas? Pour les tracer. Nabi sallam, Allah ta'ala, a'ta'ahu hawajib fawqa aynayhi marsoumatan bidikkatin tamma. Sun'allahi alladhi atqana kulla shay. Sun'allahi alladhi atqana kulla shay. Yaqul, fi ghayri qaran, yani laysat maqrounatayn. Ils n'étaient pas attachés la collée. Non. Là, il n'y a rien, il n'y a pas de cheveux là au milieu. C'est son sourcil droit, il était là comme un demi-cercle rempli des cheveux. Là, l'autre rempli de poils là et demi-cercle est bien tracé sur ses yeux. وَنَحْنُ عِنْدَنَا فِي الدِّينِ Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول لَعَنَ اللَّهُ النَّامِصَ وَالْمُتَنَمِّصَ النَّامِصَ هِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي تَقُصُّ حَوَاجِبَهَا وَالْمُتَنَمِّصَةُ هي لا كوافوز هذيك المراه كي تخافاي بور كوبي لي سورسيل دي فام الله تعالى الى مودي لا فام كي في سا اي فو فوي حنا اون فو جو بار دي مسلمان اي فون كو سا سبحان الله يونا دي فام ميم il rase il met un crayon سبحان الله qu'est-ce que tu fais il croit que c'est la beauté ça lui donne ça lui fait beau سبحان الله Ça lui fait belle. Non. Falidalik. Indana, par exemple, une femme, il a beaucoup de cheveux qui couvrent ses yeux maintenant. Il peut diminuer ses cheveux parce que on a les kadara. Il y a une nécessité. Et là, ces cheveux-là, ils vont empêcher cette femme de voir. Ou là, maintenant, une femme, il a des cheveux là, dans ses joues.
cet endroit, ce n'est pas l'endroit pour pousser les poils. Alors, il peut enlever ses poils. Mais, une femme, il a ses sourcils-là. Ils sont mal tracés. Oui, subhanallah. Tu ne peux pas changer la création d'Allah. ولا الشيطان لعنه الله يقول في القرآن الكريم ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله c'est le shaitan qui ordonne qui pousse ces gens là pour changer la création d'Allah عز وجل فلذلك جاءت امراه سمعت ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يروي هذا الحديث الله بن مسعود كان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامص والمتنمص والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والفالجات للحسن الله بن مسعود il était en train de dire ce hadith là j'ai écouté le prophète صلى الله عليه وسلم en train de dire qu'Allah maudit celle qui coupe ses sourcils et la femme qui travaille qui fait ça et qu'Allah maudit celle qui fait le tatouage sur son corps et la femme qui fait ça ou bien l'homme qui fait ça et qu'Allah maudit la femme qui attache, qui met des perruques ou bien qui attache des cheveux pour embellir ses cheveux et qu'Allah maudit la femme qui sépare ses dents pour se faire belle. Alors, une femme, il a écouté ce hadith, il est parti voir Abdullah ibn Mas'ud. Qu'est-ce que tu dis? C'est un hadith dangereux. Où tu as trouvé ce hadith-là? Là, j'ai trouvé ce hadith-là dans le Coran. Il se trouve dans le Coran. La femme, elle est partie chez elle. Après un moment, il revient le voir. J'ai lu le Coran de l'Alhamdulillah jusqu'à Qul A'udhu bi Rabbin Nas et je n'ai pas trouvé ce que tu dis. لَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ مِنْ أَوَّلِهِ لِأَخِرِهِ وَلَمْ أَجِدْ مَا تَقُولُ. Je n'ai pas trouvé. Et c'est vrai. Il n'y a pas ce hadith-là, il n'est pas dans le Coran. فقال لها عبد الله بن مسعود لئن قرأتيه لقد وجدتيه قال لها سيتا بيان لي لو كوران تي فا لو تروفي il est reparti chez elle il ouvre le Coran il commence à lire le Coran doucement jusqu'à la fin فقالت والله لم اجد j'ai bien vérifié et j'ai pas trouvé قال لها اما قرأت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت له نعم قال إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامص والمتنمص فالله يقول لنا إذا نهانا رسول الله عن شيء فانتهوا عنه قال le prophète صلى الله عليه وسلم الله تعالى il parle sur le prophète dans le Coran il dit si le prophète vous demande de faire quelque chose il faut le faire si le prophète vous interdit de faire quelque chose il faut pas le faire c'est un verset coranique. Il lui dit, est-ce que vous avez lu ce verset dans le Coran? Il a dit, oui, j'ai trouvé ce verset dans le Coran. Alors il lui a dit, c'est le prophète qui nous a dit de ne pas faire un nams. Il y a malheureusement beaucoup de femmes qui font ça, soit par ignorance, soit ils ne veulent pas écouter le hadith, soit ils ne croient pas, c'est bon, ils disent, c'est rien, moi je me fais belle, que pour mon mari. Même pour ton mari, tu ne fais pas ça. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati. Là, il y a des cas spéciaux. Les savants ils se sont divergés par rapport aux cheveux qui se trouvent au milieu là. Entre les deux sourcils là. Est-ce que la femme il peut l'enlever ou pas? Il y a des savants qui ont donné l'autorisation de l'enlever. C'est un défaut, tu peux l'enlever. Si ça donne vraiment. Le visage foncé. Enfoncé, voilà. Mais si ça. Ça ne diminue pas la beauté de cette femme, de ce visage-là, il va le laisser. Il doit le laisser. Fallait avec nous, on voit maintenant des catastrophes. Alors, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ses sourcils, ils étaient comme ça, bien placés, bien tracés sur ses yeux. De loin, tu vois les sourcils du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, bien placés, bien tracés sur ses yeux. Azhar al-Lawni, Wasi al-Jabini. أزج الحواجب سوابغ في غير قرن إكوتي بينهما عرق يدره الغضب regardez subhanallah comment il a la définition de him يقول entre ses sourcils il y avait une veine quand il s'énerve cette veine il va s'apparaître il y a une veine عرق une veine
tu ne vas pas l'avoir. Quand le professeur il est souriant, il est calme, tu ne vas pas l'avoir. Quand il s'énerve, tu vois cette veine qui sort, là, qui se gonfle. Subhanallah, regardez la diqqa. Diqqa, c'est un professionnel. C'est un professionnel à 100%. Ça veut dire il t'a dit voilà son visage. Mais quand il se met en colère, tu vois une veine qui va apparaître là au milieu de ces deux sourcils. بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين ما هو العرنين العرنين هو هذا هذا هو العرنين ما معنى أقنى العرنين يعني مستقيم عنده هذا كم سبي سبي لنا غين سيلا لوني ها هاد لي هاد لي لي زوس دو سون دو سون ني لا اي سون دووا باراليل باراليل دووا Parce qu'il y a des gens, non, c'était, les deux étaient droits. Aqna al-irnin. Lahu nourun ya'louh. Lahu nourun ya'louh. Toujours, tu vois la lumière qui sort du visage du professeur. La lumière, il sort, tu vois, ya'louh. Il dégage la lumière. Lahu nourun ya'louh. يحسبه من لم يتأمله أشم. Si t'as pas bien regardé dans le nez du prophète صلى الله عليه وسلم, تحسبه أشم. ما معنى الأشم؟ الأشم هو الذي ثقب أنفه هكذا إلى الأعلى. Il y a des gens, ils ont les deux trous, les narines, ils sont comme ça en face. Quand tu vois directement les trous de son nez. هكذا. De loin, si tu n'as pas bien regardé, tu crois que Roi Hachem, et lui, il n'est pas Hachem. Ils sont comme ça, sauf que Huna, un peu relevé. Là, on est en train de parler sur la beauté des femmes. Là. Le nez droit et pas grand, hein, et vraiment comme ça, avec détail. Ça, c'est la beauté de quoi, de quoi là. C'est pas la beauté des hommes. Jamal, tu as déjà. Le nez comme ça, le nez comme ça. Quand tu parles de quelqu'un, maintenant dans notre époque, si quelqu'un, son nez est comme ça, ses sourcils ils sont comme ça, son visage il est kda, ahmar, rose, il ressemble aux femmes. Il fait quoi là? Mais هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه جمال النساء وهو مشرب بالرجولة. Allah Ta'ala lui a mélangé la beauté des femmes avec la force des hommes en lui en même temps. Ça veut dire, tu vois la beauté et en même temps tu as la crainte. Ou عندك الهيبة, الهيبة تاع النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى جمع فيه الضدان. L'opposé, Allah Ta'ala il a rassemblé l'opposé dans le prophète صلى الله عليه وسلم. Maintenant si on dit un homme son nez est comme ça, il met comme ça, il prend soin de son visage. C'est un défaut ou bien c'est... C'est une qualité ou c'est un défaut? C'est un défaut lui. Maintenant, Nabi Sarsalim, non. Nabi Sarsalim, il a rassemblé la beauté des femmes avec la force des hommes. Qui peut mélanger deux choses opposées et sortir une belle chose? C'est Allah Azzawajal. Tu peux pas, est-ce que tu peux faire le plus et le moins? Hein? Ça donne quoi le plus et le moins? Un coup de circuit. Un coup de circuit. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Alors Allah Ta'ala, il a fait le plus et le moins. Et il nous a donné le prophète. Son Allah, il l'a dit, atqana kulla shay. Lahu nourun ya'louh. Yahsibuhu man lam yata'ammalhu asham. Kathul lihyah. Lihyatuhu katha. Katha yani, kathir shar. Kathiratu ashar. Il a beaucoup de cheveux dans sa barbe. سهل الخدين ما معنى سهل الخدين الخد ديالو ليس لي جو سي جو الخد هما لي جو ديالو ils sont plats ils sont larges de loin hakada tu vois que son visage هنايا ماشي لي جو ديالو خارجين sorti ou bien non les joues ديالو ils sont larges et ils sont plats et tu vois هنايا rose une lumière qui sort du professeur. De loin, tu vois le professeur
quand tu vois son visage, tu ne peux pas enlever tes yeux. Tu ne peux pas enlever tes yeux. Même il y a des sahaba, Amr ibn al-As, qala, Wallahi, law سألني أحد أن أصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أستطيع أن أصفه لأنني كنت لا أستطيع أن أتأمل فيه. عمرو بن العاص il dit si quelqu'un me pose une question il veut que je lui décris le visage du prophète صلى الله عليه وسلم je ne peux pas lui décrire. Pourquoi? Il a dit jamais j'ai fixé mes yeux dans son visage. Quand je veux le voir, je vois une lumière, je baisse mon regard. Quand je veux le regarder face à lui comme ça, je ne peux pas rester longtemps. Même pas une seconde, deux secondes, je baisse mes yeux. Les joues d'Yalou, ils étaient plats, ils étaient lumineux. Sahlou, al-khaddaï. Dali'u al-fam, famuhu kabir. Dali'u al-fam, sa bouche était grande. Il n'avait pas une petite bouche, pas une grande, grande bouche, mais vraiment... Vraiment, sa bouche était grande. Pourquoi? Il y a parce que quelqu'un, sa bouche, quand la bouche est petite, il n'arrive pas à s'exprimer. Ou le Nabi sa mission, c'était quoi? C'était da'wa. Da'wa ilallah. Ou da'ya ilallah. La wudda an yakuna balighan. Quelqu'un qui appelle à Allah, il doit bien s'exprimer. Il doit bien expliquer, il doit bien sortir les lettres, les phrases, les mots. Alors, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dali'u al-fam. Falidalik kanat al-arab, al-arab fil jahiliya, idha ja'a khatibun yakhtub, aw yanduruna ila famih, idha kana famuhu kabir, yaquluna hadha khatibun jayyid, qabla an yabda, wa idha kana famuhu saghir, yahtaqirunahu wa yastasghirunahu wa yaquluna hadha khatibun radi'un sayyid. Les Arabes à l'époque, avant l'islam même, il y avait des poètes, il y avait des prêcheurs qui font des khutabs, qui parlent sur leur guerre, sur leur histoire, l'histoire de leurs parents, de leur tribu. Alors quand ils vont voir que cette personne qui veut parler, sa bouche est grande, alors ils vont rester attentivement. Ils vont dire, celui-là, c'est un professionnel, il va bien parler. Et quand ils vont voir que le prêcheur ou bien le poète, sa bouche est petite, ils ne vont pas le calculer, ils vont dire, il va dire n'importe quoi. Celui-là, il ne sait pas parler. Ils ont mal choisi, cette tribu, ils ont mal choisi leur conférencier, ou bien leur prêcheur, ou bien leur poète. Falidalik Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana dali'a al-fam. Et c'était sa mission. Amaluhu huwa da'watu. Falidalik Nabi sallallahu alayhi wa sallam, imaginez, kayfa kana yaqra'u al-Qur'an. Comment Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a récité le Coran. Quand il récite le Coran, il lit, quand il lit, alhamdoulilah, tu écoutes Al-Ha, tu écoutes Mim, tu écoutes Dal, lettre par lettre. Tu écoutes lettre par lettre, il sort clair. Comme par exemple maintenant, on peut maintenant donner un exemple, Al-Husari, Cheikh Al-Husari. Vous connaissez Cheikh Al-Husari? Comment il récite Cheikh Al-Husari? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu le visage de Cheikh Al-Husari? Regardez la photo et regardez sa bouche, elle est grande. Il a une grande bouche. C'est pour cela, les lettres, il peut sortir, il joue avec sa langue et avec sa bouche. Il articule bien. Il articule bien les lettres, les mots, les voyelles. Tu sens vraiment, quand il récite, Husari, tu le mets. Et surtout, tu mets Tartil Husari, et tu commences à écouter. Tu vas dire, subhanallah, est-ce qu'il a une machine dans sa bouche? Comment il sort cette lettre? Comment il s'arrête? Comment il commence? Comment il prolonge? Comment? Subhanallah. Kadalik, le Nabi sallam, kana dali' al-fam. Fakana ida takallam, ou ida da'a ila Allah, ou ida qara' al-Qur'an, ou ida khatab, kana yafhamuhu al-saghiru wal-kabiru, al-alimu wal-jahiru, al-dakar wal-unta. Le Nabi sallam, quand il parle aux gens, quand il fait un prêche de vendredi, quand il fait une conférence, quand il récite le Coran, tout le monde comprend. Le petit, le grand, l'ignorant, le savant, le bédouin, le midinois, tout le monde comprend le prophète. Jamais quelqu'un a dit au prophète, a répété à Rasulallah, on a mal compris, on t'a mal écouté. Non. Fayaqul dali'u al-fam. أشنب
ما معنى أشنب؟ أشنب ضدها أكلح. أشنب يعني أسنانه بيضاء. أسنانه ses dents ils étaient blanches. Ou quelqu'un ses dents noires. Comment on dit? On dit أكلح. أكلح الأسنان. أكلح. الله تعالى il a dit ça sur في سورة المؤمنون. هم فيها كالحون. في النار كالحون يعني سيعودون لحمهم ودمهم ووجههم وأسنانهم سوداء كالفحم. فهو يقول أشنب يعني أسنانه بيضاء. سيدو يزيتي بلانش. Il n'utilise pas dentifrice ou bien non. سواك وأسنانه بيضاء. يقول مفلج الأسنان. مفلج الأسنان. Qu'est-ce que ça veut dire مفلج الأسنان؟ التفليج هو التفريق بين الأسنان. Il y avait un espace entre ses dents. Et cet espace, il était calculé. L'espace qui se trouve entre les deux premiers, c'est le même qui se trouve entre celle-là et celle-là. Entre celle-là, c'est pour cela que le Nabi sallam, quand il mange, il finit à manger, il n'a pas besoin de laver ses mains ni d'un kirdan. Il fait comme ça, il boit de l'eau, il rince sa bouche, il n'y a rien qui reste attaché dans ses dents. Là, il prachait au fil. Pourquoi? Parce qu'il y avait une séparation entre ses dents. يقول مفلج الأسنان وأيضا أسنانه كانت مستفة وكانت مرتبة ترتيبا ومنظمة تنظيما مضبوطا. Ses dents, ils étaient bien organisés dans sa bouche. Tu ne peux pas trouver la première plus grande que la deuxième, ni la deuxième plus grande. Non, مستفة. Il y a un animal, ses dents, ils sont bien tracés. Lequel? Sauf que cet animal, ses dents, ils sont bien tracés, sauf que ses dents, ils sont grands. L'âne, l'âne, azakumullah, ou l'hissan. L'asna dit l'hissan, comment ils sont? Bien alignés. Hein? Bien alignés. Bien alignés ou pas? Est-ce que vous avez jamais vu un hissan, un de ses noms, un ou bien? Hein? وي الحمار هذا يضرب به المثل. العلماء يضربون المثل بأسنان الحمار في تستيفها في تنظيمها. Il était bien aligné et vraiment la même mesure. Il y a pas une dent plus grande que l'autre. Non. Et quand il fait comme ça, ses dents ils sont alignés. Il a pas besoin de mettre. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ses dents ils étaient alignés, mais ils étaient pas grandes. Elles étaient petites. يقول مفلج الأسنان. Maintenant on a dit des femmes ils payent de l'argent pour faire pour séparer ses dents. Quand ils séparent maintenant les deux premiers dents, quand ils les séparent et ils sourient, ça fait beau, ça fait beau, ça fait belle pour cette femme. Alors ils payent de l'argent pour, il va chez un dentiste, un chirurgien dentiste, il paye de l'argent pour faire ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il avait cette beauté d'origine de la part d'Allah Azza wa Jalla. يقول دقيق المصربة. ما هي المصربة؟ المصربة هو الشعر الذي يوجد بين الصدر والصربة. النبي صلى الله عليه وسلم il avait des cheveux avec un fil de sa poitrine jusqu'à son nombril. دقيق mais il était fin. Alors imaginez qu'est-ce qu'il est en train de nous décrire celui-là. Il a vu la poitrine du prophète, il a vu qu'il y a des cheveux, des poils qui sont droits. C'est comme un ligne là, de sa poitrine jusqu'à son nombril. Subhanallah, subhanallah, khalaqa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Daqiqu al-masrubah ka'anna unuqahu. Maintenant il va parler sur son cou. كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. سبحان الله. Son cou, c'est comme. Salam alaikum. C'est comme le cou d'une poupée blanche. C'est comme l'argent. Vous voyez la couleur d'argent? Gris. Hein? Gris entre le gris et le blanc. Alors imagine son cou, il était comme
le coût d'une poupée, d'une poupée en argent. Une poupée qui est fabriquée en argent, safa, en fait, da safia. Vous voyez l'argent, mais tu comptes safia pur. Vraiment, il a une couleur que tu ne peux pas. Son cou, il était comme ça, droit, comme une poupée qui est fabriquée en argent. Subhanallah. Il avait vraiment, il avait un cou qui est un peu long. Il y a quelqu'un qui a son cou court comme ça. Hada muhaddab, yani, ra'suhu dakhil. Tu vois que sa tête, elle est vraiment collée à son corps, à son dos. Hada aïb. Non, le professeur Sallam, son cou était long. Kana unuquhu tawil. Laysa bit tawil tawil alladhi yu'ab wa laysa bil qasir alladhi yu'ab walakin fi al-wasat. Ka'anna unuquhu jid dumyatin fi safa' al-fiddah. Mu'tadil al-khalq. Mu'tadil al-khalq, ça veut dire il était parfait. Quand tu regardes le ventre du prophète, ses épaules, ses mains, ses pieds, ses genoux, sa tête, tu vois que vraiment c'est quelqu'un qui est parfait. Tu ne peux pas voir un défaut. Tu ne peux pas trouver un défaut. Tu ne peux pas dire, ah, son ventre est gonflé, ah, son dos est tordu, ah, ses yeux et son kada, ah, non. Mu'tadil al-khalq, yani kamilu al-khalqi. Badil, badilun mutamasik. Badil mutamasik. قوي ما معنى بادن بادن من البدونة يعني ليس بالسمين c'est pas سمين ليس بالسمين c'est pas un gros et c'est pas un maigre c'est le juste au milieu بادن متماسك متماسك يعني قوي ف سواء البطن والصدر son ventre et sa poitrine ils ont le même niveau il a pas son ventre qui est gonflé. Aussi, il y a des gens qui font la musculation. Vous voyez, Hadou, qui font la... Qu'est-ce qu'ils... Ils ont les abdominaux, son ventre, il est comme ça, et sa poitrine, il est comme ça, hein? C'est vrai ou pas? Sadroho, mundafi' ila al-amam, wa batnoho, dakhil ila al-khalf. Comme ça. Il marche comme ça. Hada, c'est un défaut. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, non. Son ventre et sa poitrine, ils étaient dans la même ligne. Là, ça nous donne quoi comme leçon? De faire du sport. Là, hein? Voilà. C'est vrai ou pas? On doit diminuer un peu le ventre. Le ventre, là, ça. Un défaut. Demain, il y a quelque chose, tu ne peux même pas courir. Tu cours à 100 mètres et c'est bon. Tu lèves tes mains, fais ce que vous voulez. Moi, je... C'est vrai ou pas? Là, il faut diminuer la droite. La droite, il faut des fois l'attacher comme ça. Regarde, ça nous montre même le corps du prophète, comment il prend soin de son corps. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son ventre et sa poitrine, ils étaient dans le même ligne. Hakada mustawi al-batn wa sadr. Fa fi dinina, al-muhafada ala al-badan, hiya matlubatun fi dinina. Quelqu'un qui prend soin de son corps, c'est il fait un acte d'adoration. Voilà qu'il a une condition. Tu prends soin de ton corps pour l'utiliser dans l'adoration d'Allah. Il y a des gens, masha'Allah, il fait le sport jour et nuit, mais son but, c'est pas de préserver sa santé pour adorer Allah. Non, il prend soin de son corps pour faire des péchés, pour participer à tel concours, pour participer à ça, pour draguer des filles, pour faire ça, pour se montrer devant ses amis, pour monter dans cette salle de théâtre. Là, nous indana innama al-a'malu binniyat. Ar-riyada qad takunu ibadatan binisbati lak. Si tu fais niya, tu es en train de faire le sport et tu fais niya, ya Allah, je prends soin de mon corps pour utiliser cette santé dans les actes d'adoration pour que je puisse travailler, je puisse aider, je peux faire ça, je peux faire ça. Niya. Alors tu fais le sport et tu prends soin de ton corps et Allah Ta'ala il bénit ton sport, il bénit ton corps et tu prends la récompense de la part d'Allah. Mais si tu fais le sport comme ça, c'est un loisir pour moi, je fais le sport pour faire le sport, tu ne prends pas de récompense. Et si tu fais le sport pour utiliser ce sport dans la désobéissance d'Allah, tu prends des péchés. Hada huwa, hadihi hiya
القاعدة. C'est bon, madame. Si. On va dépasser, hein. Et on, inchallah, on va s'arrêter là. Et on va continuer, inchallah, le jeudi prochain. Là, on a deux hadiths à expliquer. On va expliquer ce hadith de Hind ibn Abi Hala. Et le deuxième hadith, il s'appelle hadith ou Ummi Ma'bad. Il y a une autre femme qui nous a décrit l'apparence du prophète. Et après, on va faire la différence. Et on va donner qui a bien décrit. Est-ce que c'est la femme ou bien c'est... C'est l'homme. Inch'Allah, Azza wa Jal, fallahumma allimna ma yinfa'una, fa'na bima allamtana, wa zidna ilman ya rabbal alamin, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamu ala mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin.